Allez, comment tu t'appelles? Moi, c'est Gossette. Gossette, qu'est-ce que tu fais ici? Tu travailles ici? Moi, je travaille ici au Star Wars. Je t'éclairagiste. Sérieusement, c'est le plus gros Bubble Rumble qu'on a eu ici d'asseoir. Ça fait 4 ou 5 événements, ce soir, c'est le plus gros. C'est celui qui a le plus de mousse, qui a le plus de party, puis que le monde est vraiment plus dedans. Je suis avec Mathieu, le gérant du Star Wars. À soir, c'est l'événement Bubble Rumble. Parle-nous un petit peu de ça. C'est quoi le concept avant? La dernière fois qu'on en a fait un, la machine à mousse, elle fournissait pas assez de mousse, fait qu'on a décidé d'investir puis d'acheter une nouvelle machine à mousse puis à mettre de la mousse. Pas mal. C'est malade, c'est pas comme la première là. C'est vraiment mieux? Ouais. Là, faut investir une machine puis elle est mal, mais là, ça va bien, ça va aller partout là. J'ai déjà été dans des parties mousse, mais autant que ça, j'ai jamais vu ça. C'est pour rire. Il y a plein de mousse là, puis c'est débile. Ouais. Ben là, cette année, c'est là qu'il y a le plus de bulles. C'est le début des dimanches Bubble Rumble au Star Bar. C'est malade, il y a de la mousse partout. Il fait un petit wet t-shirt. Deux heures de route venir ici, fait qu'on va en on vient de Congo, 5 heures de route. Là, on est venu de Maniwaki pour venir voir ça. On a entendu qu'il y avait ça. 6 heures de route pour venir ici, c'est mental. Moi, je retourne quand j'avais 5 ans, là. On est dans mon bain. On fait des grosses rebelles ou je sais plus quoi, la chanson, là, mais ouais! C'est quoi les promotions sur la colle? Dans le fond, on a les drinks. Puis les shooters à 2,50$, puis le pichet à 8$ avant minuit. Le monde est vraiment beau. Ils sont en maillot, puis nous aussi, puis ça roule. L'ambiance est dévergondée, les femmes sont en colère. Donc, à ce moment, je vous encourage d'y aller au sabbat, man. Bubble Rumble Party, bébé. Parce que quand on va être mouillé, pour vrai. Hee hee hee.